Au revoir. Merhaba. Merhaba. Ou alors bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Ça va bien. Ok. Kimiaji Kitab à la maison. Kimia Kitab. Kimia Kitab. Bonjour, monsieur. Bonjour. Asseyez-vous. Ceci me permet d'apprendre des mots basiques de la chimie qui peuvent concerner, n'est-ce pas, l'ingénierie. Comme par exemple, ici, c'est un dictionnaire français-turc. Et elle, quand j'arrive, elle me présente immédiatement le dictionnaire. La francophonie. Et la francophonie, c'est un ensemble constitué d'environ 77 pays qui ont un partage de la langue française. Et du coup, il y a quelque chose qui se passe qui revient régulièrement dans mon esprit. C'est la manière de réfléchir pour résoudre les problèmes de chimie en francophone. Et ici, j'apprends une autre manière de réfléchir pour résoudre ces problèmes-là avec la nouvelle langue. Et l'ensemble donne une certaine force. C'est une certaine force. Et j'ai un établissement où je vais parfois faire des cours de conversation de langue française. Et du coup, le français apparaît pour moi comme une richesse, comme quelque chose qui peut m'apporter, qui peut me permettre de m'intégrer facilement dans le milieu. Aimez-vous le café turc? Oui, bien sûr. Je sais qu'en turc, on dit CV, CV. CV, CV. Merci pour votre invitation. C'est gentil. Elle me dit qu'il y a un cheval, c'est ça? Et il y a un chemin, le cheval avance. Et ce cheval, c'est qui? C'est toi. Moi, je suis un cheval. Très intéressant. Qui avance sur le chemin. Et après? Nous sommes deux. Ça alors? Un cœur? L'amour. L'amour. Waouh!